Mon revenu là super cashback goal tient dans 16341 du monde qui impacté par super cashback goal. Valeur du jour in full and final settlement 10133 du monde in regain de casse. Et dans 227 qui parti ban du monde pas enregistré et ban compagnie qui pas éligible à un remboursement. Reste 5980 du monde. Je trouve solution pour le repayer ça 5980 du monde dans notre capital le plus vite possible. Non, ce qui nous peut faire, nous peut trouver une solution pour repayer tout le monde qui a un asset, nous aussi, de par ce qui nous étudions pour un debenture system. Et la solution qui nous peut retrouver, c'est pour repayer Super Cashback Goal et Brahma Asset avant juin. Je dis, comment dire, je trouve victime, je suis l'intérêt préjudice, mais du monde qui est associé directement ou indirectement, je t'asté, je vais faire comment dire, je suis une victime. Et je trouve étonnant que tout le monde qui a un super cashback goal, je vais persister dans la case et je vais attendre que nous tous travaillons pour venir retourner dans la case. Quand et dans les autres du monde, qui à la base même de ce qui n'arrive, je vais empêcher de retourner dans la case là. Nous respecter, bien sûr, tout le monde qui l'a coordonné et aujourd'hui, nous trouvons-nous dans une position difficile pour nous continuer, pour nous capables de recover l'argent, pour le repayer tout le monde qui peut souffrir. Et je me demande, tout le monde qui est en casse dans le super cashback goal, prend cette responsabilité à ce titre. Mais aujourd'hui, nous avons fait un appel à tout le monde qui est en super cashback goal, je suis d'accord pour jouer, regroupe je. Pareil comme je t'ai fait dans les passés, je t'ai dans Ban Hall pour je causer, etc. Je peux venir en tant que ministre de la République, je peux expliquer tout ce qui est là, et je peux expliquer qui nous peut faire pour nous autres, et qui c'est là qui est responsable pour tout. Et je dis, quand nous arrivons dans la situation, et quand on trouve l'irresponsabilité de Ban Ki-moon, comment ça qu'il Mohamed, qui parle la groupe pour aller pour dire qu'il peut une injonction pour empêcher sa Ban Ki-moon la régler de casse, quand ce client n'a pas souffert aucun préjudice. Parce que ce compte des affreux ne pas à cette recovery. Collaboration avec M. Lincoln en tant que receiver manager, il marche très très bien. Depuis le premier jour, quand Gérald Lincoln est appointé, nous avons beaucoup beaucoup de réunions en place. Et c'est un seul but dedans, c'est pour faire avance tout bande de chiens qui sont en suspens. Je vous donne dès l'exemple. Quand il y a un rapport, une négociation, une discussion avec M. Gérald Lincoln, qui si pas tu fais aller ici, peut-être tu n'as l'autre dimoun à la place de Gérald Lincoln, le deal de coach Mammouth, qui pour capoter. Grâce à la façon qu'il nous travaille avec Gérald Lincoln et sa coopération, et je me rappelle bien cette première phrase qu'il nous servit. Yacoub, nous besoin de travailler en bonne intelligence pour l'intérêt national. C'est ce qu'il nous fait depuis novembre. Nous fait un claim avec la compagnie, un compte tout ban directeur et officier de la Brahma Bank jointly, ensemble, hein, et compte l'AMUA avec M. Gérald Lincoln. Right. Aujourd'hui, nous trouvons dans la presse, quand nous disons qu'il y a une confrontation, un conflit, une pression qui nous met. Je rassure les autres que jusqu'à tout récemment, hein, même jusqu'à mercredi, malgré le fait que M. Gérald Lincoln n'est pas là, nous sommes en contact téléphonique avec lui pratiquement tous les jours. Minuit à soir à peu près, ils nous soumettent sur résignation comme receiver manager. Nous, nous avons envie de travailler là, nous avons envie de transférer un asset là, et après ça, nous avons un deuxième événement que nous avons trouvé, l'injonction de Mme Rawat, qui est une réplique de ce qui M. Gérald Lincoln fait, il est malheureux pour dire, à partir de mardi, nous pouvons mettre la main sur le fond qui tient là, une partie, pour avoir un PFL. Un seul but. Comme je dis, maintenant, tu peux gérer Brahma Bank, vous allez prendre une solution, surtout nous pour procéder par étapes, je dis qui plus mérité. Un PFL, il finit, commence le travail de dossier, tu travailles pendant le week-end, mais malheureusement, avec ça, l'ordre-là, right, comme le ministre il dit, il est dans une situation de blocage qui est malheureuse. Vous me trouvez bien, bien drôle, je vous dis, comme on peut l'application qui me fait en cours hier. Qui nous servit sur le Special Administrator, de remettre la FSI, mon bon copie. Je trouve ça extraordinaire qui, dans sa application là, pour là, qui est non, M. Gérald Lincoln, sur la fille David qui l'a fait à la cour, attaché
dans Madame Léna Rawat sur l'application devant la couillère. Écoute, Madame Léna Rawat gagne Gérald Lincoln sur la fille David pour y attacher dans, là-dedans. On trouve une photo publiée, mon Richard, qui montrait M. Rajesh Bhakto Hansing avec document dans la main. Fait que M. Sakil Mohamed l'a dit. Mais là, mon copain, c'est qu'il y a les autres soupçons, l'eau qui peut arriver, qui ne peut pas arriver. Qui est capable de faire ou qui peut faire pour empêcher les gens de penser, pour empêcher l'opposition de dire ou bien pour empêcher les sceptiques de penser, qu'il y a quelque chose qui ne peut pas tourner parce que Moustak Ousmane avec Bonnier nous a démissionné, et là, Lincoln nous a démissionné. Mais M. Lincoln nous a démissionné parce que la Banque Centrale nous demande de démissionner. Laisse-moi dire où. Parce que la Banque Centrale réalisait avec l'advice qui sollicite General Lindonné, qui la section 110, les primés, l'eau, c'est qui est là-bas. Et c'est la raison qui est encore. Michel Lincoln, il résigne 23h55 pour le mettre l'eau à la gazette parce qu'il décide de résigner depuis qu'il était des hausses, pas d'avion qu'il était. Il faut dire son client, il résigne. Qu'est-ce que c'est son client? Pareil, comment outil estimé qu'André Bonnier pas ce travail pas correct? Mais pas de bizarre, mais n'arrive pas là-bas. Vous pensez Lincoln et ce travail pas correct? Pas bizarre, mais n'arrive pas là-bas de par la loi. C'est ça la raison, André Bonnier avec Moustak Ousmane dans un aller comme un receiver de la banque. Mais pas de besoin de nommer même le receiver. La Banque Centrale, il prend une décision pour lui nommer Gérald Lincoln. Laisse-moi dire, ouais, pas que les autres affaires. Hein. Gérald Lincoln, du tout, connaît toujours dans la liste, tu connais, tu peux travailler pour FSI. Tu peux oversee le travail du Special Administrator. Après, il est là, il vient receiver la Banque Centrale. Après, il est là, il y a le mettre case contre Special Administrator. Alors, moi, je dis, ouais, une affaire, Clarel Benoît Chambers. Je participe à Advise Special Administrator. Gérald Lincoln, comment receiver? Qui l'a intérêt à l'hypothèse? Quand Sakil Mohamed prend ce client et il prend la fille David Gérald Lincoln, il y a la cour, il demande une injonction. Qui l'a intérêt à l'hypothèse? Maintenant, la Banque Centrale, il met un receiver, comment Rabin Bédia. Et Rabin Bédia, il crée une perception qui, quand le receiver allait, l'autre receiver venait aller, il n'est pas bon. Mais moi, je vais dire, très simplement, qui participe à un receiver là-bas, il n'est pas bon, vous êtes bien allé, mais je participe à là-bas, in the first place. Quand la Banque Centrale lui prend connaissance de l'opinion du Attorney General's Office et du Solicitor General, qu'il y fait. Il dit à Gérald Lincoln, resign. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a que la Banque Centrale réalisé qu'il va utiliser le Gérald Lincoln? Non, I cannot speak for the Central Bank, mais ce qui m'a dit à vous, c'est que l'Attorney General's Office in the Indian Legal Advice. Gérald Lincoln dit à Paul Nicole qu'il s'en met un président panne. Le contrat du superviseur de Pricewaterhouse. Non, mais moi, répondu très simple, c'est qu'il ne me connaît pas, besoin dans le plus en détail. Ma question, c'est à quel moment est-ce que ça s'est déroulé, il commençait, et à quel moment il vit, parce que vous n'avez pas fini avant même qu'il soit venu nommé. Bon, moi, répondu, pas poser une question, moi. Est-ce que M. Gérald Lincoln, il participe dans une réunion de la FSI? Est-ce que M. Gérald Lincoln inchère un email avec la FSI, le Special Administrator? Est-ce qu'il a une visibilité de ce que le Special Administrator peut faire? Est-ce qu'il participe dans une réunion, même au ministère ici? Est-ce qu'il est dans une situation quotidienne dans l'information en sa possession qu'il a gagné de par sa rôle qu'il a occupé pour l'oversee le travail du Special Administrator as compared to Zodi travail pour, comme receiver de la Banque Centrale? Dans une situation que la loi, d'après State Law Office, il n'a pas un droit. Parce qu'il n'est pas supposé aimer un receiver là-bas. Alors, ça, où est-ce que M. Lincoln? Moi, on va vous répondre tout ça. Ça, pour moi, parce qu'il dit, moi, non, vous n'avez pas dit ça, et vous pouvez nous dire qu'il dit supervise travaux Special Administrator. Il dit définitivement, appointé par la FSI, et de par ce fait, il participe dans la réunion. Il dit, moi, qui peine n'a rien à faire, or qui chose, il n'est pas venu assister dans la réunion Financial Services Commission. D'après l'advice qui est FSI de moi, c'est qu'il participe dans toute réunion, il a envoyé plusieurs emails et il connaît beaucoup de travail qui le Special Administrator peut faire. Et il est dans mon chiffre, il est dans mon document, il est dans mon dossier dans une position qui met dans une relation conflictuelle pour travailler contre le Special Administrator aujourd'hui. Vous pouvez parler ou ce que vous dire, moi, il fait. Je vous finis de dire ce que vous dire. À ce moment-là, je dis à M. Lincoln, je ne vais pas vous dans une polémique dessus. Il n'y a aucun qui je peux dire, ce n'est pas pression, ce n'est pas qu'ils ont fait. Gérald Lincoln, il a une pression, dans quelle façon il a une pression? Je ne comprends pas. Pression par qui? Par BDO ou ça par la Banque Centrale? Ou ça par avocat de la Banque Centrale? Si il y a une collusion, si il y a des gens qui rentrent dans une position où il y a un conflit d'intérêt. Mais vous pouvez dire, il y a des gens qui sont dans un casse-là-dedans. Monsieur le ministre de la Bonne Gouvernance,
commence une enquête quelque part, qui qu'elle nous disait, ou nous commence l'enquête les autres. Mais Rabin, vous pouvez travailler nuit et jour jusqu'à 10h du matin pour le roadcast, pour aller pour repayer du monde qui ne perd 10 autres cas. Vous voulez mourir là jusqu'à 6h du matin, faire l'enquête ou là. Après, vous dire mon inspecteur gadget. Oui. Moi. Vous êtes la casse de Super Casse Bagol, Estelle? Ou que du monde qui est là, dis aller à mes dingues la police. Ou même qui peut quand on peut mettre de dots ou peut conclure qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, qui ne passe pas. Mais du monde qui perd du casse, du monde qui perd du casse, il y a le fait ce complet. Moi, je veux dire que du monde Super Casse Bagol, elle prend cette responsabilité, nous devons travailler dire pour eux, nous devons travailler tellement dire pour eux regagner cette casse. Et nous pas pour continuer à faire lui quand il a sa qualité d'affaires là qui peut dérouler, qui peut empêcher nous faire notre travail pour ça.